Et avec mon papa, on est très contents parce que Actimel s'associe à Une Lettre, Un Sourire, qui est une association qui permet d'envoyer du courrier et entretenir des relations épistolaires avec des personnes âgées isolées en EHPAD qui peuvent recevoir personne. Vous pouvez leur envoyer une petite lettre vous aussi. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est une petite attention qui fait toujours plaisir. Swipe up! Pour faire la même chose que nous. De retour pour rejouer de mauvais tours. Je suis très contente d'être de retour à Paris. Dubaï, c'était sympa, mais rien ne vaut cette ville et rien ne vaut surtout mon hôtel Mafouf. Donc là, c'est tout Noël. Voilà, vous pouvez le voir à mon pull, vous pouvez le voir à mes chaussons. C'est Noël. Et entre chaque petit rendez-vous que j'ai à faire avant la fête, bah du coup, je vais m'occuper de cette année, de ce réveillon, puisque c'est moi qui m'en occupe cette année. C'est mon tout premier Noël. Ma mère m'a transmis le flambeau et c'est quelque chose de très important. Je le prends très à cœur en tout cas. Et cette année, on a la famille Mafouf qui vient chez moi. On est quatre. Et il y a également Léopold. Et vous allez voir une autre invitée très spéciale. Du coup, bah, on sera six, mais il y a ma famille et la famille de cœur, parce que comme ça, bah, personne ne fêtera Noël tout seul. Mais j'ai acheté aucun cadeau. Il y a la petite boîte et vous n'êtes absolument pas surpris quand je vous dis que je l'ai pris pour chez moi. Attendez, c'est plein de sang, j'adore. Alors, petit conseil, si vous venez au printemps, ça c'est mon stand préféré. En fait, ça s'appelle le Market et c'est plein de marques qui sont pas encore hyper connues, des marques qu'on peut voir sur Instagram, il y a même des marques qui sont en exclusivité chez Printemps. Et c'est... Regardez ce stand, ça s'appelle IA Vintage et en fait, c'est un monsieur qui récupère plein de pièces vintage mais pointues, tu vois. Et donc du coup tout est unique et il te met la marque et l'année. Ça, c'est une veste des années 80. Et regardez au printemps de l'homme, haute bon titre, il y a le concept store où ils ont plein de trucs trop drôles. Genre une table de ping-pong en mousse. En carton pardon. Alors ok, en 2020 on n'a pas eu les voitures qui volent. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe un petit robot, genre un drone qui vous prend en selfie? Genre ça vole comme ça. Et la caméra elle vous prend en photo. Excusez-moi, c'est mieux que les voitures qui volent, non? Ok, en fait, on a trouvé le vrai produit du futur. C'est un casque pour vélo, ou pour trottinette, ou quoi que ce soit, qui a des clignotants. Donc tu mets un petit truc sur ton guidon, et du coup, tu dis de quel côté tu vas. Et quand tu sens qu'il y a un choc, il appelle directement les pompiers. Et regardez, Zadig et Volta, pendant 2 mois, ils ont un corner au printemps. Donc il y a toute une sélection de Noël, etc. Et ils ont également des pièces comme celle-ci là qui ont été créées uniquement pour le printemps et qui du coup sont disponibles que ici. Le temple de style tonique. Je ne peux pas aller chez Zadig et Voltaire sans penser à elle. Regardez, c'est les sacs dont je vous parlais, c'est avec les petits traits de peinture qui ont été faits en exclusivité pour le printemps. Et je vous montre ce que j'ai acheté, pas ce que j'ai acheté à mes copains et tout, parce qu'en fait ils vont être en mode sniper et ma mère encore plus. Oh, elle c'est la plus grande fouine. Je vous montre le seul truc que j'ai acheté pour moi avec la boîte avec les petits seins. Un Monopoly Friends! Je suis trop contente! Ça me fait trop rire. Est-ce que votre daron, tu sais, quand il prend une photo, il met le téléphone hyper loin? C'est trop drôle. Et vous me connaissez. Bien évidemment que je propose un petit concours avec le printemps. Bien évidemment que maintenant, partout où je me déplace, je demande si on peut faire des concours. Alors voilà. On a 2 bons d'achat de 1000 euros pour 2 personnes à dépenser comme vous voulez. C'est sur mon dernier poste. C'est lui qui me pousse à faire les concours à chaque fois. Ouais, j'adore les concours, moi. Je trouve que c'est la meilleure façon de gâter tous ceux qui te suivent. Ah, toujours des heureux. C'est super. En plus, c'est gratuit.